Shalom, shalom, shalom. Bien-aimée dans le Christ Jésus, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, notre Rédempteur et Sauveur, celui en qui nous avons confiance. Nous sommes en union et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous venons ce matin auprès de toi te rendre grâce, te dire merci pour le souffle de vie, merci pour le renouvellement de ta bonté dans nos vies. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu fais. Et en ce jour, nous voulons nous laisser regarder par notre Seigneur Jésus, notre berger, notre sauveur, notre rédempteur. Nous voulons nous laisser regarder par celui qui guérit nos cœurs, celui qui guérit nos âmes, celui qui guérit nos blessures les plus profondes. Nous voulons nous laisser regarder par ce même Jésus qui a compassion pour son peuple. Regarde-nous, Seigneur. Nous voulons nous jeter sous ton regard d'amour, ton regard de bonté, ton regard miséricordieux. Il vient pour te consoler.
bien-aimé, le Seigneur Jésus, en ce jour, a eu compassion pour son peuple. Il a regardé le peuple abattu, désemparé, comme des brebis sans berger. C'est comme ça que le Seigneur te regarde. Il a compassion pour toi. Il regarde la souffrance de ton cœur. Il regarde ta souffrance, mon frère, ma sœur. Il écoute ta prière. Oui, il est ce berger qui écoute nos prières. Il regarde ta souffrance. Il regarde tes blessures. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Seigneur qui guérit. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu long à la colère et plein d'amour. Il te regarde. Laisse-toi regarder par ton Seigneur. Laisse-toi regarder par ton Dieu. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Et il vient pour te consoler. Il vient aujourd'hui comme le Dieu qui console. Confiance, confiance, confiance. Et il dit aussi aujourd'hui que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Toi aussi, mon frère, ma sœur, de la même manière que tu as été béni ce matin, sois également porteur, porteuse de consolation pour ton frère, pour ta sœur, pour ton collègue, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton voisin, pour tout ton entourage. Sois porteur, porteuse de consolation. Car Jésus est ta consolation, Jésus est ton berger, mais aujourd'hui il t'envoie également être la consolation de ton prochain. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce en abondance, qu'il guérisse toutes les parties de ton corps, de ton cœur et de ton âme qui ont besoin, et que son sang coule sur toi en abondance. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.